une histoire, enfin je veux dire, en dehors de notre couple, voilà. Écoute, je sais, c'est que ton livre ne parle que de ça. Hein. Le livre, c'est pas exactement un carton. Ah bah là, on n'a pas contribué à la déforestation, hein. Non. Allez, au revoir. Pour le manuscrit, donc, bah tu vas le publier. Non, je le publierai pas, non. Je pensais que t'avais compris. Qu'est-ce qui te fait hésiter alors? T'en as marre de jouer une flic? C'est pas une flic, c'est une spécialiste des situations de crise. Ok. Comment ça va avec Alain? Je pense qu'Alain voit plus qu'un autre. C'est une série géniale. Je suis complètement accro. Mais c'est pas trop difficile de jouer une policière? C'est plutôt une spécialiste des situations de crise. Voilà. Je dirais non, juste, on a une histoire. 6 ans. Je vais lui parler de son manuscrit. Ses histoires sentimentales, assez sordides. On n'a pas trop de mal à l'identifier. La scène, moi, je suis dans la salle du cinéma. Pendant Star Wars, le réveil de la Force. Ah là, il y a du feu. Non. Sur mon blog, j'ai 5000 clics par jour. Ah bah non, j'ai pas du tout suivi, non. Il y en a qui écrivent des films good books. Moi, j'écris des films bad books. Courage. Ouais. Non. Non mais c'est vrai, on peut faire le tri des trucs. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est un ami qui m'a envoyé la fiche de Star Wars, le réveil de la Force.